Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Recoucou, vous allez mourir de rire. Je vous ai expliqué qu'il n'y avait pas de son depuis le début du jeu. Bien évidemment qu'il était activé, c'est que mon ami Willy a trouvé en fait la parade. Le mixeur de son dans votre Windows, le jeu en fait se met par défaut à zéro. Donc c'est à vous de le faire augmenter, si ça vous arrive bien évidemment. Donc nous voilà pourquoi en fait on n'a pas réussi à l'avoir. Le son depuis le début, mais bien évidemment il y avait le son, c'est ce qui me semblait. Je me suis dit mais comment ça se fait que les développeurs ont enlevé le son? Pourtant il était bien le son. Bah voilà, maintenant on a le son. Et même maintenant, vous allez mieux entendre mon ami à côté. Eh, t'es là ou pas? Donc là, c'est bon, on peut enfin commencer l'aventure tranquillement. Oh là là, les erreurs techniques des fois qu'on peut avoir à cause d'un Windows, quoi. Oui, parce qu'en fait, le jeu se met complètement à zéro et c'est à vous après d'aller dans le mixeur de son pour pouvoir avoir le truc, quoi. Ça me semblait bizarre en plus, hein, qu'on n'avait pas le truc, hein. Mais bon, après, mieux vaut qu'on se rende compte à partir de quelques épisodes que pas du tout. Vous voyez? Écoutez ce bruit. Ouais bah ça on sait, Bodhi, que c'est une hache qui tape dans du bois. On est au courant quand même, hein. Ne nous prends pas non plus pour des cons, hein. Non mais c'est vrai, c'est juste pour vous dire que ça fait du bruit. Donc j'attends qu'il revienne, après on va rigoler un peu. Donc là je profite tout simplement pour ramasser un peu de bois. Oh là là, je suis vraiment désolé de vous avoir fait autant galérer là-dessus. Vous avez vu le cassos. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est continuer un petit peu là où on s'est arrêté. Maintenant, mon ami, vous allez rendre comme si je suis avec lui au téléphone. Hein. C'est super net, c'est super fluide. Mais par contre, il faut qu'il soit à proximité de moi. S'il n'est pas sur la même zone, on ne pourra pas l'entendre. Et même les autres joueurs qui vont être à proximité de nous, on pourra leur parler. Les autres, on ne pourra pas leur parler. C'est ça qui est cool. On le ramasse encore un peu. Lui, en fait, il adore se balader je sais pas où. Donc là, je profite pour finir un petit peu le toit qu'on n'a pas complètement terminé, d'accord? Et après, tout simplement, on va le mettre en pierre et la maison sera déjà construite. Voilà, on aura déjà une étape en moins à régler. Et après, je commencerai un petit peu ma tour par la suite, quoi. Voilà, ça, c'est bien. Cela, il rapporte beaucoup moins. Hein. C'est 10 par 10, mais après, c'est un petit peu une perte de temps. Mais dès que vous avez rien à proximité, c'est toujours bien de le prendre que de se dire ouais, bon bah ça sert pas à grand chose. Bon là, j'aurais peut-être assez pour faire le toit. Ça par contre, ça tire pas. Il n'y a pas de munitions, c'est pour ça que c'est pas d'une grande utilité pour le moment pour moi. Ah, t'es là, moi je crois que t'étais parti, je sais pas où hein. Et là, vous allez entendre parler. Là, tu m'entends? Ah bah bien sûr, je t'entends. Merci en fait pour le mixeur de son, je me suis affiché pendant 8 épisodes. Merci. Pendant 8 épisodes limite. Ah t'inquiète, moi c'est pareil, je comprenais pas au début. Non, c'est que le truc il se met par défaut en fait. Donc du coup après c'est à nous de regarder en fait, c'est ça qui est chiant. Par contre ils ont fait une mise à jour pour démolir les murs cette fois-ci. D'accord. En fait t'as un truc de démolition. Viens voir, je vais t'expliquer mon plan. Tu me dis ce que t'en penses. Viens à l'extérieur. Comme ça je vais lui expliquer en même temps. Tu te rappelles les grandes tours que j'avais comme avant? Comme je faisais avant? Ouais. J'ai envie d'en faire une là. Collée à la maison cette fois-ci. Juste ici, tu vois. Collée. Ouais, ça peut être pas trop. Bah comme ça, en fait, on a une tour de garde au cas où. Par contre, on s'est fait un peu casser les trucs. Hein. Je sais pas comment ça se fait. Hein. En fait, la pierre, tu sais où elle est en fait? Elle est au niveau de la neige. Il y en a énormément. Ouais, je disais que la pierre, elle est vraiment au fond. Il y en a plein. On va y aller après. Ouais, ouais, on va y aller après. Donc là, vous voyez, en fait, il nous reste quasiment rien à rectifier. Juste des poteaux à installer ici, mais ça, c'est un peu trop tard. Bon, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, ça va tenir quand même, mais c'est un peu chiant. Donc là, je peux le mettre en bois renforcé. T'as pas un petit peu de pierre ou t'en as pas? T'as pas de pierre, non? Un petit peu.
Mais pas grand chose, et j'ai un peu de bois. Ouais, bah donne un petit peu si tu veux de la pierre en fait. J'en ai un tout petit peu besoin, après c'est bon. Là, on va récolter un petit peu de pierre histoire d'en avoir un petit peu plus. Attends, je crois qu'il va en chercher ou il va. Ouais, j'ai 600. bah passe un peu comme ça, je ferme un petit peu le portail de l'extérieur. Attends, je vais ramasser ce qui va me passer, comme ça au moins on aura un petit peu de ressources. Merci. Tu veux du bois aussi ou pas? Ouais, un peu, ouais. Et quand même, comme on est con des fois dans les trucs, et moi qui persiste dans ma connerie en train de vous dire, ouais, mais les programmateurs, ils ont fait une mise à jour et tout. Encore, envoyant. Ouais, t'inquiète. Bah, tu le déposes au pire des cas dans un coffre. Attends, je finis vite fait. Donc là, vous voyez, c'est des fois, on a des. C'est impressionnant les conneries qu'on peut sortir, surtout moi. Donc là, c'est bon. T'inquiète, j'en ai fabriqué un autre coffre pour te poser dans la. Ouais, ça marche. Donc là, je vais sortir à l'extérieur, faire une petite fondation au niveau de la deuxième. Voilà. Comme ça, on va se faire une tour ici, si vous voyez ce que je veux dire, ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà, une petite tour là. Voilà, comme ça va être collé. Comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire, ça va nous prendre un peu de temps pour le faire, mais en tout cas, ça va être plutôt bien, bien sympa. Voilà, elle est juste posée là. Ça marche. Moi, j'ai commencé déjà à faire les fondations pour la tour ici, hein, là-haut. Tu vois, comme ça nous fait un Ok, petit. c'est ce que je vois. Ça nous fait une petite extension en fait. Comme ça, tu vois, ça peut être sympa. Ouais. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait dû. Avec une porte, ça aurait été bien de l'intérieur. Tu vois, passer de l'intérieur. Bah, c'est ce que je vais faire, t'inquiète. Je sais pas si on peut modifier. Si, bah si, justement, tu vas voir, bouge pas. T'inquiète, je sais que. Ok, Dès t'inquiète. qu'on montera au niveau, tu verras. Faut juste qu'on la fasse monter un peu de niveau, je sais pas, une vingtaine d'étages et c'est bon. Il va criser. D'accord, ok, je vois ce qu'on avait fait la première fois. Ouais, comme on a fait, tu te rappelles, dans la première, là où on avait la base avec. On avait fait la première fois le truc avec tout le petit village là. Un peu le même système. Ouais, comme dans la première saison. Voilà, là où il y avait le rocher là qui est en plein milieu. Comme ça, après je sais où on va passer par le haut. Tu vois là où il y a l'extension, je vais te montrer après. Comme ça, je démolirai le truc juste après. Donc ici, on gardera un petit peu une cargaison en fait, en bas. D'accord. Mais moins on va en dire, mieux ça sera, tu vois, parce que on est très vulnérable après dans nos conneries. Ah, c'est clair, en plus à côté de l'ancienne maison qu'on a faite, il y a un gars qui s'est installé. En fait, donc là-bas, c'est complètement compromis et puis il est armé. Vous voyez déjà comment. C'est là, c'est horrible ces trucs-là, t'as vu? Tu peux pas faire truc en paix, il y a toujours un mec qui vient pour te tuer. Aïe 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 aïe. Donc faudra qu'on commence à faire des fours aussi. C'est pour ça que je t'ai demandé si on peut chasser. Et on va chasser comme ça, on commence déjà à faire les fours en métal. Parce que j'ai beaucoup de graisse et tout là, déjà c'est bien. Ok, bon, on est parti. C'est qui le patron, regarde? Ouais, bah C'est une tiens, je nouvelle te la chose ça donne, en fait. je te la donne. En fait, elle me sert strictement à rien, je vais lui donner. Tiens, prends là, moi je prends l'arc. Hein. Donc je vais rapidement déposer quelques trucs que j'ai pas forcément l'utilité. Ah, il a mis du bois. Oh, mais t'as pu donner les flèches avec? Ouais, à condition de les avoir. Oui, je pense qu'il faut les apprendre pour les faire. Ouais, je les ai pas. C'est pour ça que je te les ai pas donnés. Attends, vite fait, je finis juste ici de construire. C'est dur par contre d'avoir tous les mains là un petit peu partout. Ouais, on le fait au fur et à mesure en fait, comme avant quoi. On va dire, on va mettre de la pierre et tout quoi. Ouais, parce que si je commence à faire comme j'ai l'habitude de faire, ça va être la galère pour. Ouais, c'est ça. Je vais J'ai déposer. oublié de prendre son. Donc après, je vais mettre juste ça là. Vaut mieux qu'on prenne notre temps et faire quelque chose de costaud Ouais, et de joli. je suis du même avis, ouais. Non mais attends, je dépose des trucs qu'on n'a pas forcément besoin, on va commencer à chasser.
Bon, moi je suis parti, hein. J'ai 5 minutes hein, avant que l'épisode soit terminé. Ah, c'est chiant, hein. T'as vu, hein. C'est l'imitation, là, pourri. Ouais, tu m'étonnes, t'es trop brut. C'est trop brutal en fait, ça s'arrête net. Coucou, ça y est, c'est fini. Ah, t'es là. Ok, bon bah, on y va. Ouais, donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est chasser tous les deux pour pouvoir obtenir des os, etc. Par contre, tu vois, on va mettre une heure pour trouver des animaux. Ouais, pff, on a même pas quoi. De l'autre côté, j'ai vu, il y avait des chevaux. Ouais, bah vas-y, bah moi j'en ai vu à côté là-bas, là, viens voir. Juste vers le fond, il y en a dans le rebord. Ok, bon, on va aller là-bas. Tiens, profitons aussi pour ramasser un peu de pierre, on va en profiter aussi. Moi je vais ramasser un peu de pierre, comme ça on va avoir des réserves, ça nous évite de faire des allers-retours. Il y a beaucoup de minerais de métal, hein. Encore un petit effort, ça y est, je l'ai eu. Fais attention au niveau des loups et au niveau des ours. Hein. J'en ai pas tant vu que ça, mais peut-être qu'il y en a un qui va... Ah, il y a des pierres par terre. Maintenant, c'est un peu comme dans l'autre jeu. En fait, tu peux la ramasser. Ouais, c'est un peu comme sur RK qu'ils ont fait, quoi. Mais tu ramasses un peu moins, quoi. Ouais, bah vous voyez, en fait, ça évolue bien. Par contre, si je veux bien l'entendre, faut qu'il soit toujours droit. Par contre, on est dans la merde, il va faire nuit, hein. C'est 50 pierres par ça. Ça marche. Comment je déteste la nuit là, on va être vraiment mal au point dans pas longtemps. On va rien voir. Ah bah, donc vous voyez, franchement, là il y a pas. Il y a des pierres un peu partout, est-ce que je vois. Donc, profitons pour ramasser hein. La pierre. Moi je ramasse que du soufre. Hein. Je ramasse que du soufre. Et je ramasse que du soufre, comme je disais tout à l'heure. Hein. C'est horrible. J'ai récupéré des minerais rares. Mais dommage que constamment on peut pas parler comme ça, tu en es obligé d'appuyer. Vous voyez, en fait, ce que je vous dis, c'est après, il faut appuyer toujours sur la touche V pour pouvoir parler. C'est ça qui est un petit peu chiant, quoi. Ça aurait été bien d'avoir un truc en continu, quoi. Entre groupes, au pire des cas. Je crois que j'ai repéré un cheval. Je suis pas certain. Si j'en ai repéré un là-bas ou c'est peut-être un mec. Mais la carte est extrêmement grande, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous allez franchement me dire, waouh, c'est super gigantesque. Et je vous dirais, c'est vrai, c'est super grand, quoi. Donc là, j'ai chargé rapidement mon arc, au cas où je dois faire face à je ne sais pas quelle hostilité. Donc il n'y a rien. Et je l'ai perdu. Je l'ai perdu. C'est facile de perdre son copain en route, hein, vous avez vu? Je l'ai un petit peu perdu, bon c'est pas grave, on va essayer rapidement de ramasser quelques trucs. Je vais profiter pour prendre les conteneurs au bord de la plage, il y en a énormément là. Il y en a 4-5 et là-dedans il y a des plants. Donc c'est très avantageux de les prendre. Comme je vous ai expliqué au début, si vous les prenez pas, bah vous allez un petit peu moins avancer dans le jeu. Plus vous avez tous les plants, plus vous avez l'avantage de pouvoir construire ce que vous avez envie. Oh, ça bug là. Bon bah le jeu a figé un peu. Juste un instant, il est passé à 1 FPS. Enfin, tu sais même pas pourquoi, mais faut pas trop se poser de questions. Du coup, on prend tous les conteneurs. Donc là, je vais profiter aussi pour pouvoir apprendre des nouveaux trucs. On a une bouteille d'eau aussi. Donc là, il y en a deux côte à côte. Donc c'est ça qui est kiffant en fait, c'est de pouvoir se balader, de construire où vous avez envie. On n'est pas forcément obligé de tous coller les uns contre les autres. Après on peut s'inviter comme si tu vois tes voisins quoi, qui ont un palais, etc. quoi, une résidence. Ah, voilà une hachette en métal. Vous allez kiffer maintenant dès que je vais commencer à couper du bois avec. Ça va devenir vraiment beaucoup plus intéressant. Rapidement, qu'est-ce que j'ai? Là c'est pour apprendre les pics. Regardez, là j'ai rien. Là maintenant je viens de les apprendre. C'est tout bête. La flotte, ça c'est bon. Là j'ai une hache. Ça va, tu m'as retrouvé parce que je suis en train de faire les coffres. Bah je vais tout droit histoire de trouver un peu des coffres, tu vois. Donc rapidement. C'est ça. Voilà. Donc nous on va se retrouver après pour la suite. Ok? Et je vous dis à tout à l'heure, prenez soin de vous.